Et salut à tous, ici Arcanum et on se retrouve pour l'épisode numéro 23 de Pokémon Donjon Mystère. Dans cet épisode, c'est simple, on va faire la grotte saline, qui est le début de la fin, on va dire. Le début de la fin de la partie 1 du jeu. Ainsi donc, comme vous le savez déjà, le maître de la lagune n'est pas encore revenu. Cependant, j'ai l'intention de partir pour la caverne saline comme prévu. Dis donc, il est parti où le maître de la guide au fait? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on va sortir sans lui? Pas de problème, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Le maître de la guide a dû penser qu'on pouvait se débrouiller tout seul pour l'instant. C'est pourquoi il n'est pas encore rentré. De plus, pendant l'absence de notre maître, vous pouvez compter sur moi pour vous guider. Silence gênant! Pourquoi ce silence assourdissant? Je n'en crois pas mes oreilles. Vous pensez tous que je ne suis pas à la hauteur? Bah, t'es un Pijako en fait. Pijako, à part faire Boom Burst comme un Cotorep en Scarf, il sait pas faire grand chose. Hein. Ou peut-être faire Babil, mais Babil c'est interdit en strat, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un Pokémon de merde. Allez, dites-le! Peut-être me jugez-vous incompétent, inutile? Oh, on n'irait pas dire jusque-là, tu sais faire 2-3 trucs quand même. Non, c'est pas ce que je dirais, pas sûr. C'est juste que je me sens moins en sécurité en l'absence du maître de la guilde. Mais dis donc, vous connaissez le maître, il est assez prévisible. Pourtant, dis donc, il est toujours là quand on a besoin de lui. Mais pour l'instant, il n'est pas à nos côtés, donc. Il ne nous reste plus qu'à prendre sur nous et à respecter sa décision. Bien dit! Je suis sûr qu'on peut mettre la mission à un bien pour nous-mêmes. Allons-y tout seul. Bien dit! On ne peut pas se reposer sur le maître tout le temps. Oh oui, voilà, un bon état d'esprit, faisons notre mieux. Pijako, en l'absence du maître, il n'y a qu'un parmi nous qui peut prendre les rênes. Et c'est toi, Pijako. Hein? Qui, moi? Bien sûr, tu l'as dit toi-même. Tu as dit que tout se passerait bien parce que tu es là pour nous guider. Sois notre chef, montre-nous la marche à suivre, Pijako. Oui, c'est ça, montre-nous, Pijako, et dis donc. Ouais, concentre-toi. Bien, tout le monde. Vous pouvez toujours compter sur moi quand les choses tournent mal. Et qu'est-ce qui t'aille, Pijako? Qu'est-ce qui t'a... Tu attends pour sonner le rassemblement? Je sais. Je me lance. Nous allons partir explorer la grotte saline, tous ensemble. Surpassons-nous. La grotte saline. Ah, c'est la caverne saline, j'ai toujours dit la grotte saline. Bon, ah, t'as tellement de grottes dans ce jeu. Écoutez-moi, vous autres. Voici l'entrée de la caverne saline. Votre objectif est d'atteindre le fond. C'est là que vous trouverez le même symbole étrange que celui gravé sur le fragment de relique de Franpi. Cependant, c'est là aussi que se cache une rive fépouille. Une rive fépouille? T'as pris un prix la trouve. En même temps, t'as que Notor. Que Notor. Il a lunatique, que Notor. Hein. Ouais, mais c'est son talent caché. Sinon, il a un talent de merde. Et dis donc, Pijako! Qu'est-ce qui se passe? Hier, le maître de la guide nous a parlé de ce Pokémon sans foi ni loi. Mais dis donc, Pijako, on dirait que tu en sais autant sur lui que sur son donjon. Pijako, c'est pour être que tu es déjà venu ici? C'est exact, je suis déjà venu ici. Il y a bien le temps, le maître et moi-même avons exploré cet endroit ensemble. Et c'est tout au fond de cette caverne que nous avons vu cet étrange symbole. C'est à ce moment-là que des Pokémon très coriaces ont fait leur apparition. Alors comment ils étaient coriaces, tu dis? Je m'en souviens pas du tout. Hein? Tu t'en souviens pas? Oui, il ben, faut qu'il m'en coûte de l'admettre. Ils nous sont tombés dessus sans crier gare. J'étais mis KO avant d'être avoir pu faire quoi que ce soit. Quand je suis revenu à moi, le maître était en train de penser mes blessures. Mais je ne me souvenais pas comment c'est arrivé. Alors je ne peux pas vous dire en plus sur mes assaillants. Voilà qui ne nous avance pas beaucoup. Et là, on sait pas quel genre d'ennemi on a à faire. On aura qu'à avancer prudemment. Attendez une minute. Dis Pijako, au début tu as parlé d'une horrible fripouille, et ensuite tu as dit qu'il vous avait attaqué, ils sont plusieurs? Oui, ils sont plusieurs. Alors pourquoi vous parlez de... Pourquoi vous parlez d'une personne alors qu'ils sont plusieurs? Ça c'est schizo, hein, ça n'y peut rien malheureusement. Il y avait un qui était particulièrement féroce, c'est vrai, mais il n'était pas seul. Quand ils nous ont attaqué? Oui, ça y est, je me souviens. Ils sont tombés dessus d'un seul coup. J'étais emporté par de l'eau, une sorte de raz de marée. Une attaque surf quoi. Une sorte de raz-de-marée? Ça voudrait dire que c'était des capacités de type eau?
Nous détestons l'eau, nous sommes de type sol. Nous espérons ne pas être confrontés à des ennemis de cet acabit. C'est horrible, terriblement dangereux d'y aller seul. Exact. Pour ça que nous allons répartir en plusieurs équipes. C'est bien ce qu'on va faire, ouais. Mais dis donc, on devrait organiser des équipes en mélangeant les types. Vous deux, souvenez-vous de ce que le maître a dit hier. Dans cette exploration, je vais me joindre à l'équipe Côte d'Or. Par conséquent, vous m'accompagnerez pendant toute la durée de l'exploration. Compris? Je compte sur vous, vous n'avez pas à me ralentir. Ne vous attendez pas non plus à ce que je fasse tout le travail à votre place. À vous de surveiller vos arrêts. Mais putain, mais quel enculé! Très bien, vous autres. Partons à la conquête de la caverne saline. Donnez notre maximum. Ouais, ouais, on va se faire enculer. Eh, Liatron, je t'ai vu, t'es passé devant moi. Chef! On dirait que ces blaireaux de la guilde sont déjà à l'intérieur. Un blaireau alors que moufler... Ah non, c'est pas un blaireau, c'est une mouflette. On les suit. Ça va valoir le détour. On les suit, mais on s'en suit revoir. Et quand le moment viendra dans un recoin obscur de cette caverne, on s'emparera de la frappe angolique de cette poule mouillée de fourpi. Ensuite, on ira en vitesse au fond de la caverne. Et alors, nous, à la gloire, nous allons résoudre ce mystère. Brillant, chef. C'est le plan parfait. Naturellement, il est de moi. Bref, c'est nous et l'équipe Krad qui irons sur les terres illusoires. C'était ridicule. Caverne saline. Fampi a ramassé quelque chose. Ah, Giga Sensu. Bah, dommage, j'ai aucun Pokémon qui peut apprendre Giga Sensu. Ah, mais il commence à ramasser des CT, c'est bien. Avec un peu de chance, il va ramasser Laser Glace ou Séisme. Ah, Notaria. Il a quoi comme attaque, Pidgeotto? Ah, on peut pas voir. Il doit avoir Rugissement, des attaques de merde. Parce que c'est quand même un Pokémon de merde en 4G. Ah quoi, il a quoi comme attaque, Pidgeotto en 4G? Il a Babil, mais après c'est quoi? Il y a rien d'autre. Il est niveau combien, Pidgeotto, en fait? Niveau 36, putain, il a un niveau de plus. Ah oui, on commence à avoir des donjons avec des particularités dans les étages. Ça veut dire des niveaux un peu labyrinthiques dans une salle. Les dégâts nuls. Ah ouais, alors là, le donjon, il va être extrêmement dur pour Fampi, c'est vrai. Oh, une gelée rouge. Une orbe. La lumière, ça c'est super bien. Ah! Ah oui, bah oui, j'ai l'un des pires starters quand même, donc. Surtout dans cette partie de donjon. Ça va devenir de pire en pire quand on va affronter des Pokémon de type eau bien vénère. Parce que là, Tritosaur, Otaria. On va pas se le cacher, c'est un peu nul. Même si Tritosaur a lavabo et donc il m'empêche d'utiliser des attaques haut. Ah, niveau 35 pour Oswald. C'est-à-dire qu'il faut quand même être niveau. Allez, il faut être. Pour être bien, faut être niveau 37-38 dans ce donjon. Ça veut dire qu'il me manque quand même deux niveaux. Bon bah j'aurais fait tout l'étage. Caverne saline. Ah bah il y a l'étage à côté. Oula. Ah oui, c'est le début des emmerdes. Dans le sens que les Pokémon ont des attaques qui t'attaquent de loin et si t'es un type feu ou sol, tu es dans la merde. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait en sorte que type pouce est un type au vol au tout début. Brindibou il est de type plante vol, mais pas petit pouf qui est un pingouin. Et un pingouin c'est quoi? C'est un oiseau. Bref, les mecs sont un peu ridiculement cons. Je sais pas. Moi ça me paraît évident que le Pokémon aurait dû être de type vol, mais bon. Ah, c'est vrai que c'est le début des emmerdes. Il a glissade.
Du coup, il peut attaquer deux fois dans le même tour tant qu'il pleut. Ruban soin, alors c'est un ruban qui soigne au fur et à mesure du que tu avances, mais ça consomme beaucoup de. Ça consomme beaucoup de. Comment ? De points de nourriture. Putain, il l'a OS. En même temps, il a le stab. Il a le stab vol, donc forcément, ça fait beaucoup de dégâts. Contrairement à. Contrairement à Tiplouf qui a pas le stab de type normal sur son attaque Fury. Une Béoran c'est toujours moins à prendre, surtout contre un boss. C'est Mur Lumière, Osef Total. Quoique c'est toujours intéressant d'avoir le Mur Lumière, mais si tu tombes sur un Pokémon qui a. Qui a casse-brique, ça fait beaucoup de dégâts. Révélor, bon. Putain, eh! Super, je suis dans Angoisse Land, c'est-à-dire t'es près d'une zone en particulier, tu te peux faire attaquer par les Pokémon à distance, c'est génial. Tâche 8. Putain, bah, on avance vite, on a combien de temps de vidéo? 10 minutes seulement, bah 11 minutes à peu près, mais... Putain, on va peut-être... On va peut-être faire ce donjon. Moi je pensais qu'on allait faire tout ce donjon pendant tout l'épisode, mais au final il y a peut-être moyen. Non, après il y a un million de discussions, laissez tomber. Hein. Télégraine, ouais. Alors il y a encore des tritosaures. Parce que, alors les tritosaures, je sais pas si. Je ne sais plus, on va dire plutôt. Comment ça marche les tritosaures avec leur lavabo? Est-ce que si t'as par exemple un tritosaure dans la salle, il va l'absorber ou est-ce qu'il faut qu'il soit sur l'étage? Je pense que c'est dans la salle. Si tu croises un tritosaure dans la salle, attraction c'est de la merde. Attends, les sexes sont pas sont indiqués quelque part ou pas? Si espèce type louf mâle et là c'est un fampi mâle. Là on peut pas voir. Dommage. Ah, Maxilinir, ça c'est pour l'Ignéon. C'est un des objets trompeurs qu'il y a dans les objets trompeurs de PDM ciel. Putain, mais Fampi. Ah, une pomme. On va la manger tout de suite. Ouais, je sais pas pourquoi je garde. Je sais pas pourquoi je garde Giga Sensu. Puissance cachée de type on sait pas. Et a priori ça fait un coup critique. Ah, milieu du donjon. Ça fait déjà un bon moment qu'on avance. Hé, Pijako, est-ce qu'on arrive bientôt à l'endroit où tu as vu le symbole? On y est presque. On n'y est plus très loin. Cependant, quand je vous l'ai dit, à chaque pas, nous nous rapprochons du repère de ces ignobles Pokémon. Oui, restons sur nos gardes. Enfin, on y est presque. Courage, Ozal. Ouille. Oh, excuse-moi. Hé hey. Nerf, nerf. Ça nous a un bail, bande de mauviettes. Hé, hey, mais vous êtes cette aimable équipe, non? C'est ça. Fragment de relique. C'est... Nerf, nerf. Donne, je vais te le garder. Hé hey. C'est la deuxième fois qu'on vous le pique. Ah, je vais plutôt faire cette voix pour Smogo, étant donné que c'est un Pokémon peu rond. Vous mettez du temps à comprendre, en tout cas. Attendez, attendez, je vous prie. J'ai peur de pas bien saisir ce qui se passe ici. Qu'est-ce que vous faites là, pour commencer? On ne vous a plus revu depuis votre soudaine disparition pendant l'expédition. Je me suis fait du mauvais sang pour vous. Du mauvais sang, hein? Vous, la guide, vous êtes vraiment qu'une bande de cornichons crédibles. Qui ne demande qu'à vous faire plumer. Quoi, quoi? Vous êtes bien grossier tout d'un coup. Pijako, ils se sont toujours moqués de la guilde. Ce sont de méchants Pokémon qui crânent et qu'une bande de canailles. Oula, canaille. Oh là là, ils utilisent le mot canaille. Ah, comment? Comment ça? Est-ce vrai? Et ouais. C'est incroyable, vous êtes naïf pour y avoir vu que du feu pendant tout ce temps.
Enfin bref, maintenant le refragment de relique est à nous. Il nous reste plus qu'à aller dans les terres illusoires. Vous pouvez aller vous rhabiller les nullos. Quoi? Misérable vermine! Alors comme ça, ils me prennent pour un idiot? Ils ne se seraient pas si bon compte. Je leur montrerai ce qu'on récolte quand on se joue de moi. Hé, hey, Pijaku, attends! Il est parti. Pijaku était dans une colère noire pourvu qu'il ne lui arrive rien. C'est vrai, les horribles Pokémon dont il nous a parlé ne doivent pas être loin. Il nous faut vraiment... Et il faut encore qu'on reprenne mon fragment de relique à Mouflaire. Il faut faire vite. Alors là, ça sent la mort. Hein. Parce qu'avec un type sol, la résistance eau, elle est moyenne. Hein. Ah, j'ai vu un lamantine. Alors, ce qui ressemblait à un lamantine, j'ai pas vu longtemps. Oui, c'est un lamantine qui est en mode... Oui. C'est un peu ridicule comme dégâts. C'est un peu ridicule comme dégâts. Hein. PTDR. Ah, j'ai bien fait de lui mettre puissance cachée, n'empêche. J'ai même pas la nature de sa puissance cachée. Vas-y, Fampi! Oh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive, Fampi? Aïe, aïe, aïe. Ah, je sais, j'ai jamais compris à quoi ça servait que. À quoi ça servait qu'il cligne des yeux, en fait. Bon, j'ai trop. Je sais pas à quoi ça sert, en fait, quand il cligne des yeux. Si quelqu'un le sait en commentaire. Hein. Bon, le ruban soin, c'est un peu ridicule. Oh non, pas la morbiture de ces morts. Bon bah mange-les. Ah, un Kémorse. Oh, il a pris un bon vieux Ventardise. Vampire ne peut pas parler pour le moment. Allons-y, faut qu'on se donne à fond. Ah non, j'ai cru qu'il y avait un Pokémon. Pouet, pouet, pouet. Pouet, pouet. Attends ta couille. Alors, est-ce que les mecs se sont demandé quand ils ont inventé le nom du Pokémon, est-ce qu'ils se sont dit putain, il y en a qui vont faire un jeu de mots avec et ils vont l'appeler Tentacouille. J'avais pas une gelée orange moi à l'époque. Ah, c'est la gelée orange qui s'est devenue une morbiture, d'accord. Ah ouais, mais il vaut mieux les manger alors. Bon, petit festin. Ah, maître avantage. Je ne sais pas du tout ce que ça fait. Allez, chacune. Ah, et Fampi qui apprend garde du corps. Ah, garde du corps, c'est fort hein, comme talent. À moi. Ah, attendez. Maître capacité, c'est quoi? Maître avantage type. Non, mais connard. Le taux de coup critique du Pokémon augmente face à un ennemi souffrant d'un désavantage dit à son type. C'est pas mal. Ce qui me sera très utile. Et Fampi a garde du corps. Garde du corps, je crois que dans mes souvenirs, c'est quand le Pokémon est faible, il prend le coup à la place. Si le PV d'un coéquipier situé à proximité devient dangereusement bas, le Pokémon s'interpose pour subir les attaques portées contre son allié. Ce qui est plutôt fort, une résigraine. C'est très fort ça. Par contre, je ne sais toujours pas quelle est la puissance cachée de Fampi. Ou Diac Toxique. Fampi, occupe-toi de lui. Ah oui, mais non, il a pas d'attaque sol, le nul. Alors, est-ce que je le touche? Alors, je crois que j'ai non traître hein, comme talent cuit. Ah, excusez-moi, hein. Voir cuit. J'ai non traître, donc mon bulldo va traverser Fampi sans le toucher. Ah ouais, mais attends, mais c'est quoi cette connerie? Non, mais non traître, c'est...
Ah, c'est seulement pour la confusion, merde. J'ai goumé mon coéquipier. Bon, bah, écoutez. Ah non, notre aide, c'est seulement quand t'es confus ou quand t'as la frousse. Bah, excusez-moi, je savais pas. Ah, vibre à quoi? Ah, c'est bien ça. Attends, en puissance. Info. Taux de réussite, taux de puissance. Attends, le taux de puissance, je suis à. À 5 étoiles. Bulle d'eau, c'est. C'est du 5 et la puissance est. Ok, vibre à quoi? C'est 1 million de fois mieux. Ça c'est cool, vibre à quoi, je suis content de tomber dessus. En plus ça peut rendre confus donc c'est encore mieux. Mais bon, l'attaque que j'aimerais bien avoir c'est laser glace, ça me sera très utile. Voilà, pour ça que vibre à quoi c'est meilleur que bulle d'eau. Ah, il a fait tomber une pomme, à moi la pomme. Mais mange-la ta pomme, bordel! Et trempe-toi avec, surtout! Aucun effet. Bon, il y avait un tentacouille qui se promenait dans le coin. Non, mais dans mes souvenirs, non-traître, tu peux utiliser non-traître sur un Pokémon, sur une attaque comme ça, non? C'est quoi le talent? Il y a un talent cuit qui fait ça! Je m'en souviens. Attends, peut-être. Quoique, peut-être pas forcément. Oh les dégâts! En même temps, c'est un coup critique. Ah, mais oui, mais du coup, c'est génial ça! Mettre avantage type. Parce que je fais des coups critiques easy money. Ah, j'ai utilisé ma unique résugraine. Autant dire que contre le boss. Quoique contre. Bah, vous doutez que je vais affronter un boss. Hein. J'ai quand même pas mal de B au rang, donc ça devrait aller. Bah ouais, mais voilà, j'ai goumé mon partenaire en mode, je croyais que j'allais, ça allait le passer, mais non, c'est un autre truc. C'est un autre talent cuit qui te permet de passer... qui te permet d'attaquer sur en dehors de ton partenaire. Eh bien, ça fait un moment qu'on descend, non? Mais toujours aucune trace de Pijako et de l'équipe Tran. Et cet endroit, quelle étuve? Qu'est-ce qui fait chaud? J'ai entendu une voix par là-bas. Allons voir Osfan. Eh, mais c'est l'équipe crâne. Eh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Pas possible. C'est une bande d'ennemis mystérieux qui vous a flanqué cette raclée. Quoi, vous étiez au courant? Vous auriez vu nous promener, ça aurait été sympa. Ah, j'aurais pu faire cette boss qui. Je m'attendais pas, mieux de votre part. Moufler, tu vas bien? Nous voilà à votre merci. Et vous vous inquiétez de notre santé, c'est écœureux que vous pouvez dégouliner de Diener ici, bande d'imbécile. Ce n'est pas mon genre, notre genre d'abandonner un Pokémon à terre. Inutile de faire du mourant pour nous, ça va aller. C'est l'autre prétentieux de Pijako. Il m'a mis les nerfs en boule, alors je vais m'accrocher. Hein, Pijako a fait quoi? Voilà ce qu'il a fait. Pijako est arrivé juste après notre déculotté. Et quand il nous a vu partir à terre, il nous a remonté les bretelles sans prendre de gants. Après ça, il a continué sa route. Toutes ces choses qu'il nous a dites, quand j'y pense, je suis vert. Je suis furieux que je me refuse de baisser les bras. Je sortirai d'ici en rampant s'il le faut. Juste pour rendre la monnaie de sa pièce à ce Pijako. Pourtant, il nous faut avouer qu'on était sur le point de se rendre quand Pijako est venu nous sauver en nous haranguant. Vous avez beau dire qu'il vous a sauvé, vous avez quand même l'air mal au point. On n'a pas été sympa avec vous pendant tout ce temps. On peut même dire qu'on a tout fait pour vous pourrir la vie. Et pourtant, vous vous inquiétez encore pour des types de notre genre. Ouais, c'est sûr que vous avez tout fait pour qu'on vous déteste. Mais quand on vous voit à terre comme ça, on ne peut pas vous laisser tomber. Hé, hey, le fragment de relique! Oh, oups! Voilà qui me ressemble pas! Le fragment de relique m'a échappé! Oh là là!
Je suis incapable de faire le moindre geste. Oh non, je parie que Vampy va s'en emparer. Moufleur. Oh, je ne l'ai pas fait exprès, le fragment de relique m'a glissé des mains. Vous êtes dit de le ramasser ou pas? Moufleur, merci. Mais merci pourquoi? La prochaine fois qu'on se rend, on se mettra à vous jouer des sales tours. Et pas la peine de perdre votre temps à vous en faire pour nous. Souciez-vous plutôt de Pijako. C'est vrai? Où est parti Pijako? Ah, il a continué, il s'est lancé à la poursuite des ennemis. Dépêchez-vous de le rejoindre. Merci Moufleur, on les suit. Moufleur, sors de ton équipe de là, courage. Ne la joue pas les grands seigneurs avec les crânes, s'il vous plaît. Nya, nya, nya. Ah, c'est la voix de Moufleur, elle défonce les cordes vocales. Allons-y, Osvan. Ah, je peux pas crier. Vous pouvez bouger, vous autres. Bouillanté, chef. Avec la première clé qu'on s'est prise, je suis HS. Et voilà le travail. On doit pas être beau à voir à l'heure actuelle. Nya, nya. En fait, chef, j'ai bien aimé la façon dont vous l'avez dissimulé jusqu'à la fin. Vous avez un bon fond, en fait. C'est la rédemption, chef. La ferme. Et moi, chef, vous avez fait faire ça, c'est pas rien. Mais vous allez la fermer à la fin. Putain, doubler les gnarknarka en boucle, c'est un peu lourd. Hé, Pijako. Ah, vous voilà. Restez sur vos gardes, ils sont tout proches. J'ai vu leurs jambes quand je me suis lancé à leur trousse. Mais je les ai perdus de vue quand je suis arrivé ici. Ils ont sûrement tendu une embuscade pas loin. Mais il n'y a nulle part où se cacher ici. Qu'est-ce que c'est? J'ai un étrange pressentiment. Il n'y a que des parois à terre tout autour de nous. Je n'ai fait que les apercevoir, ça va me revenir. J'y suis! Quand ils m'ont attaqué la dernière fois, c'est comme s'ils avaient surgi nulle part. Mais en fait, ils sont arrivés de... Vampy, Pijako, Oswald! Attention à vous! Ils sont au-dessus de nous! Quoi? Quoi? Je m'appelle Kabutops. Et nous sommes les frères Azamonistar. Pourquoi cette voix Azamonistar, je ne sais pas. Tous les êtres humains ont besoin d'une leçon, prenez ça! Quoi? Ah! Pijako! Ah, je vais plutôt faire ça. Ah! Vous ne l'emporterez pas au paradis! Est-ce que vous pensez de ça? C'est un héros qui s'est imposé pour protéger ses camarades. Ça n'a pas l'air très malin. Eh, ça me revient! Ah, Kabutops! On l'a déjà vu ce héros-là! Il a déjà. La dernière fois, on l'a mis KO de la même manière! Récidiviste! Il faut croire qu'on n'est jamais vraiment pas loin de celui-là. Ah, vous pouvez bien vous moquer! Ce sont de précieuses recrues! Je ne vous laisserai pas leur faire du mal! Pijako! Pijako! C'est à votre tour maintenant. Prenez ça. Alors, ce sont trois types. Kabuto, il est le type Roche Insect. Par contre, les Amonistars sont de type Eau Roche. Donc, il faudra faire très attention. On va s'occuper déjà du premier. Ah, je l'ai pas rendu confus. Bon, ça va, il va. Ouh, il a Volvic! Il a Volvic. Vibra quoi? Ah, c'est bon, j'ai réussi. C'est bon, le cas. Maintenant, on va s'occuper du. Putain, il a loupé, espèce d'idiot! Ouf! Ouf! Attends, je fais gaffe au PV de Vampy. Oula! Je vais faire plus attention au mien. Bon, ça va, on est en 2v2. Oh, ça va, Vampy qui tank bien. Ah, bien joué, Vampy. Tu vas quand même prendre une BE au rang. Parce que tu vas pas tanker longtemps. Alors, Vampy, tu vas changer de tactique et tu vas passer à l'attaque. Le Vampy qui est en mode course-poursuite, en mode. Je vais niquer ta mère, hein! Ah, Kabuto n'est plus confus. Ouh. Alors, j'avoue qu'une chose, Vampy tank très bien les coups.
pour parce que là il s'est pris quand même deux il est quand même dans ce combat, il est vraiment très désavantagé et pourtant il tank très bien. Puissance cachée, c'est pas très efficace donc c'est ouf. C'est alors sa puissance cachée est faite contre le type roche ou le type insecte. Je dirais qu'il est de type, c'est une puissance cachée de type sol. Ah c'est bien alors. Comme ça il est instable. Ouf. J'ai plus beaucoup de BO, j'en ai plus que 3. Hein. Bon, je prends le risque de l'attaquer. J'ai bien fait. Bref. Arf. Fuyons. Pijako. Ah. Pijako, tu vas bien? Reste avec nous. Pijako. Cette fois, maître. Roudoudou, et Masko est là aussi. Maître. Ouais, Masko. Qu'est-ce que Masko fabrique avec le maître de la guilde? Je vous expliquerai plus tard. Il y a d'autres priorités pour l'instant. Ami de moi. Pijako. Mais dis donc, ça va mal, Pijako est KO. T'apprécies, il est blessé. Pijako, tu vas bien. Tu es blessé. Oui, c'est vrai, je prenais cette voix pour Rondoudou. Je vais bien. Je suis en forme. En pleine forme, comme vous pouvez le constater. Pijako. Je suis désolé, Pijako. Si seulement j'étais arrivé plus tôt. Ne vous en voulez pas, maître. Mais c'est si humiliant d'être mis KO par les mêmes ennemis pour la seconde fois. C'est faux, Pijako. La dernière fois qu'on est venu ici, tu es tombé KO tout de suite. Pijako. Alors, tu t'en souviens probablement pas, mais à l'époque, quand la bande de Kabutops nous est tombée dessus, tu t'es sacrifié pour me protéger, Pijako. Ah non ? Je les ai fait déguerpir juste après, mais sans toi, Pijako, ils m'auraient envoyé au tapis immédiatement. Je te dois une fière chandelle, Pijako. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé ? Pijako, tu es mon estimable partenaire. C'est un honneur pour moi, maître. Je suis transporté de joie. Ouah, Pijako! Pijako! Je calme tout le monde. C'est bon, il est vivant. Il a encore du temps devant lui. Ramenez-le à la guilde tout de suite. Allez, on se dépêche tous à la guilde! Non. On va s'occuper de ramener Pijako à la guilde. Quant à vous, Oswald et Fampi, et toi aussi, Masko, vous devez continuer. Mais! Ne vous en faites pas. En plus, si vous rentrez normalement, le sacrifice de Pijako n'aura servi à rien. L'étrange symbole vous attend un peu plus loin. Allez, faites vite. Merci, gros doudou. On va continuer. Allons-y, Fampi, Oswald. D'accord. C'est parti, Oswald. Bonne chance. Trouvez les tirs illusoires. Masko, comment est-ce que tu as su pour nous trouver? C'est gros doudou qui m'a accompagné. Hein? Gros doudou a fait ça? Exact. Gros doudou me cherchait. Dès qu'il m'a trouvé, il m'a dit que de le suivre parce que vous étiez sur le point de trouver les pizzeries et les usoirs. Ça m'arrangeait bien puisque j'avais l'intention de vous rejoindre de toute façon. Tu avais l'intention de nous rejoindre? Alors, attends, est-ce que ça signifie? Tout juste, j'ai récupéré tous les rouages du temps. Super! Tout ce qui nous reste à faire à présent, c'est nous rendre dans les terres illusoires. Trouvons vite le symbole. Ouais, attends, je repense à la résistance de Kabutops. Kabutops, il résiste à quoi? Bon, j'ai un doute. Il me semble que son PC, c'est PC Sol, mais j'ai un doute. Kabutops. Il a quoi comme résistance? Ouais, il y a de l'eau ici. Attendez, c'est de l'eau de mer. Je vais juste regarder. Ah oui, non, il est de type roche. Oh, Kabutops, j'ai toujours cru qu'il était de roche insecte. Alors, les résistants de Kabutops, ils résistent au feu. Donc, c'est peut-être. Alors, c'est soit PC. Non, c'est du coup, c'est pas PC sol. C'est soit PC feu, soit PC normal qui serait nul. PC glace, PC sol, poison ou PC vol. Alors ce n'est pas PC feu parce que je faisais des dégâts neutres
à Draco. Donc c'est soit vol, soit poison, soit... Et c'est pas glace, du coup c'est soit normal, s'il serait nul, poison ou vol. Regarde ça un peu, Oswald. La caverne donne sur la mer. On peut voir la sortie de l'extérieur parce qu'elle est cachée dans l'ombre. C'est vrai, on aperçoit la mer derrière les murs de pierre. Il fait presque nuit. On n'a pas vu le temps passer. La mer monte jusqu'ici par les parois dans la paroi. Oh, c'est vrai. C'est... Hein, Oswald ? Qu'est-ce qui se passe ? Hé, hey, regardez ça ! C'est le même symbole que sur mon fragment de relique. Ce doit être le symbole qu'a décrit Pijaku. Attendez, je sors le fragment de relique. Oh, regardez ça, le fragment de relique. Ouah, le symbole gravé sur le mur s'est mis à briller. On dirait qu'il réagit à la puissance du fragment de relique. Ouah. Qu'est-ce que c'était? Il y a un rayon de lumière qui a jailli vers la mer. Il y a quelque chose là-dedans. Quoi? C'est... Ça se rapproche, en nageant. Fampi, Oswald et Masco, si je m'abuse. Tu connais nos noms? En effet, Rodoudou m'a mis au courant. Rodoudou t'a raconté? Ce symbole a émis un rayon de lumière en direction de la mer, et tu es apparu juste après ça. On peut savoir qui tu es? Je m'appelle Loclas, le passeur des terres illusoires. Tu es sérieux? Ah, puis sérieuse plutôt, parce qu'un Loclas en original c'est féminin. Quoi que ce soit, non, c'est unisexe. Hein. Tu peux nous conduire jusqu'aux terres illusoires? Vous avez déclenché le Loc signal. C'est le signal qui permet d'avoir accès aux terres illusoires. Elles se trouvent de l'autre côté de la mer. Montez sur mon dos, je vais vous montrer pendant la traversée. N'ayez pas peur, j'ai des pouvoirs exceptionnels, je peux tous vous porter sans problème. À quoi que Fampi? Attends, Fampi pèse combien? Autant Masco et Tipouf doivent peser pas loin des 10 kilos. Par contre, Fampi, c'est quand même un éléphant. Fampi! Alors, Fampi, il pèse 33 kilos. J'ai envie de te dire qu'il pèse aussi gros, il est aussi gros qu'un enfant de 10 ans. Masco, 21 kilos. Autant dire que c'est. Il est pas si lourd que ça. Et petit plouf. Pour le moment, on n'est pas des Pokémon excessivement gros. 5 kilos. Ah, quand même. Alors, de l'autre côté de la mer se trouvent les terres illusoires. Oswald, Fampi, c'est parti. Traversons la mer. Donc ça va, Loclas, il n'y aurait pas de problème à porter les deux. Alors allez, c'est parti pour 20 minutes de cinématique. Et je plaisante même pas quand je dis ça. Chapitre 19, vers les terres illusoires. Oh, maître! Comment va Pijaku? Il va s'en sortir? Oui! Il a besoin d'une bonne nuit de sommeil réparateur et il devrait aller mieux demain! Ouais! Excellente nouvelle! T'apprécies? Tu vas vraiment soulager pour sûr! Didac, c'est super Pijaku! Il va s'en sortir, Didac! Maître? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Yatron? Maître, vous avez dit que Pijaku avait sauvé la vie dans cette grotte il y a longtemps. Racontez-nous. D'accord. C'est pas cette voix-là du tout. D'accord, voilà comment ça s'est passé. Maître, attention! Kabutops et ses sbires nous ont attaqué sans Krieger. Pijaku a réagi le premier et s'est craqué pour me protéger. C'est comme ça qu'il a été mis KO. Ensuite, j'ai mis la bande de Kabutops en déroute. Mais Pijaku était évanoui, je ne savais pas quoi faire. J'étais paniqué parce que je ne pouvais rien faire pour aider Pijaku. Bah, tu lui donnes une Béoran. Ou une Résugraine, au choix. Et c'est là que Loclas a fait son apparition. Loclas?
Exact, Loclas. C'est Loclas qui a sauvé Pijako. Attends, Loclas, il a des attaques de soins. Oh, je vois. C'est comme ça que tu as connu Gros Doudou, Loclas. C'est bien ça. Au début, je n'avais pas du tout prévu de me montrer. Mais j'ai changé d'avis dès que j'ai vu Pijako à terre. Il fallait que j'intervienne. Par la suite, j'ai conclu un pacte avec Gros Doudou. Un pacte? Oui. Oui. Et dis donc, c'est quoi ce pacte? Je pense que Loclas a tout de suite compris qu'on était une équipe d'exploration. Alors, il nous a dit qu'il ne pouvait pas savoir si nous étions des bandits assoiffés de pouvoir ou bien une équipe d'exploration aux intentions honorables. Donc, au nom de la paix dans ce monde, il nous a demandé de ne pas chercher à en savoir plus à propos de ce sabot dans la grotte. Voilà ce qu'il nous a raconté. Ce qu'il nous a demandé. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Rodoudou a eu la même habileté d'accéder à la maroquette. Il a dit qu'il venait me remercier pour être venu au secours de Pijako, et qu'il abandonnerait par conséquent toute recherche au sujet de ce symbole. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais pourquoi tu voulais que ce symbole reste un secret? Dans les éthers illusoires se dresse la tour du temps, siège du pouvoir de Jalga. Jalga craignait que des intrus ne fassent des dégâts dans la tour qui régule le cours du temps. Alors, il a décidé de protéger la tour du temps. Il a dissimulé les éthers illusoires dans une brèche temporelle. Une brèche temporelle? Oui. C'est difficile à expliquer, mais il s'agit d'une brèche dans le cours du temps lui-même. Un espace à l'intérieur même d'une fraction de seconde. Je vois. Pas étonnant que cet endroit soit introuvable. Une brèche dans le cours du temps. Atteindre un tel endroit est une quête désespérée. Non. Jalga a laissé une clé pour accéder aux terres illusoires. C'est un fragment spécial avec un symbole mystérieux gravé dessus. Quand j'ai entendu l'histoire de Chavener et Chartor, et quand j'ai vu le fragment druidique de Fampi, j'ai enfin compris. J'ai compris que ce symbole étrange était lié aux terres illusoires. Alors je suis parti pour la caverne Saline avant tout le monde. Parce qu'il dit ça, je savais que il fallait que je voie Loclas. Je suis allé voir Loclas pour l'avertir de tout ce qui se passait. Que le temps s'arrêtait un peu partout et que le monde était en danger. Je lui ai aussi raconté qu'il fallait emporter les rouages du temps à la tour du temps. Et je lui ai demandé... Et je lui ai demandé de me révéler le moyen d'atteindre les terres illusoires. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai du mal à... C'est vrai que ça commence à être dur à prendre toutes les voies différentes. Non. Loclas m'a relevé les secrets. Il m'a dit que le fragment de relique choisissait le terre Pokémon qui aurait le droit d'aller dans les terres illusoires. C'est le fragment de relique lui-même qui choisit? Il choisit tout seul? Oui, apparemment. C'est sûr que... C'est sur Fampi que le choix de fragment de relique s'est porté. Pourquoi Fampi? Je ne sais pas trop. Je pense que Jalga veut empêcher les individus mal intentionnés d'accéder à la tour du temps. La qualité déterminante est donc un cœur pur. Et le cœur de Fampi a dû répondre aux attentes du fragment de relique. Bref, tout cela n'est plus dans mon pouvoir. Désormais, ce sont Fampi et Oswald qui doivent porter ce fardeau. C'est à l'équipe Côte d'Or de jouer maintenant. Et à elle de rallier les terres illusoires. Et à elle aussi de mettre un terme à la destruction du temps. Putain, les responsabilités. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Oui, oui, alors là, c'est un chapitre grosse discussion, on va dire. Mais à partir de l'autre chapitre, ça va vraiment avancer, quoi. Il n'y aura plus vraiment de temps mort. Dis, Loclas. Oui. Ça fait un moment que tu nages, ça va aller? Tout va bien, Fampi. Pas d'inquiétude d'avoir. Nous y sommes presque. Regardez. Terre en vue. Quoi? Là-bas à l'horizon, vous voyez l'endroit où la mer semble un peu différente? Bah oui, ça se voit un peu, c'est le tas de pixels moches. Alors oui, alors ça c'est un problème d'émulation. Hein. C'est malheureusement. Comme je joue sur émulateur, bah ça fait un peu bizarre. Oui, je vois. Les vagues, leur comportement est tout sauf naturel. Loclas, qu'est-ce que c'est? C'est la brèche temporelle, le passage que nous allons franchir pour atteindre les terres illusoires. Allez, c'est parti! Ouah, Loclas! Loclas s'envole! Non, ce n'est pas ça. On ne vole pas, on traverse la mer du temps. Loclas, c'est ça. C'est ça les terres illusoires. Oui, ce sont les terres illusoires. Allez, on entre.
super BO et super... La BO, elle est fantastique de ce jeu. Les nuages se sont dissipés au-dessus des terres illusoires. Ce sont les terres illusoires. Nous y voilà enfin. Regardez par là. Qu'est-ce que c'est que ça? Serait-ce par hasard? Exact. Vous avez devant vous la tour du temps. Le repère de Dialga. C'est là qu'on doit aller. Pour apporter les rouages du temps. Mais, Eril est plus près. On dirait que cet endroit flotte dans le ciel. Comment on fait pour y arriver? Il voudra vous servir du vaisseau arc-en-ciel. Le vaisseau arc-en-ciel? Oui, plus loin vous trouverez les ruines anciennes. C'est là que se trouve un antique vaisseau anti-mystique, le vaisseau arc-en-ciel. Il vous emmènera à la tour du temps. Merci, Loclas. C'est tout ce que je peux faire pour vous. À partir d'ici, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Bonne chance pour atteindre la tour du temps. Merci encore. Masco, Osvald. Ce n'est plus très loin, accrochez-vous. Alors on va déposer tout ça et au prochain épisode, eh ben, on reprendra où nous étions. Giga Sensu, j'en ai pas besoin. Explograine, j'en ai pas besoin de ça. Petite graine, ce sera toujours nécessaire. Une guerrière. Donc voilà les gens, on est arrivé au terrain illusoire comme c'était prévu. Hein. Nous sommes à 46 minutes d'épisode. Bon, je vais pas continuer. La terrain illusoire est un assez long donjon. Si besoin est, je peux retourner là-bas hein, au Bourse Trésor en parlant à Loclas pour obtenir au cas où des objets qu'il me faudrait. Je vais quand même reprendre une résugraine. Je crois que j'en ai encore une. Ah oui, j'ai masse B. J'ai quand même masse B. J'ai plus qu'une. J'ai encore. 1, 2, 3, 4. 4 résugrades. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Hein. Exploforce. Ouh, est-ce que j'ai un Pokémon qui peut apprendre Exploforce? Dommage. Ça aurait été très utile, Exploforce. Ryulu peut apprendre Exploforce, hein, dans mes souvenirs. Puissance cachée. Ah, est-ce que je peux voir la puissance cachée de Fampi? Je dirais que c'est normal, malheureusement. Ah non, c'est vrai, ça marche pas comme dans Pokémon. Normal, c'est le type et la puissance change d'un donjon à l'autre. Tu peux pas savoir ce que c'est comme puissance cachée, c'est une attaque aléatoire. Putain, c'est vrai que j'ai encore des missions, moi. Bah, vous savez quoi, ça risque d'être Tandax, hein. Parce que j'ai pas beaucoup, je suis que niveau 36. Même pas, je suis niveau 35, c'est Fampi qui est niveau 36. Ça va être un peu complexe. Ah ouais, d'accord, Fampi a une meilleure attaque SP, meilleure stat d'attaque SP qu'une meilleure attaque. D'accord. Ouais, faut lui donner masse gelée, tout ça. Bon bah voilà les gens, j'espère que cet épisode vous aura plu. Le prochain ce sera les terres illusoires. Je pense qu'il reste deux épisodes avant la fin de la première partie du scénario. Donc on approche doucement de la fin. Après, je ferai les chapitres spéciaux, les épisodes spéciaux, et ensuite ce sera la seconde fin. Sachant que, alors je crois qu'il y a des événements, ça dépend en fait. Les événements de chapitre 2 sont un petit peu plus compliqués, on va dire, à obtenir en fait. C'est très aléatoire en fait, à ce que je sais. Alors soit il faut attendre 2-3 jours, je sais plus. Enfin bref, vous verrez tout ça donc très bientôt, hein, le jeu encore... Une fois que t'as fini la première fin, on va dire, il te reste quand même une bonne moitié encore à faire. Et encore, par contre, les trucs annexes, je ne les ferai pas en vidéo. Donc, c'est-à-dire obtenir les instruments pétés. Dans les instruments pétés, c'est dans ce jeu. Il me semble que oui. Mais je vous ferai tout ce qui est annexe. Bah, tout ce qui est plutôt annexe du chapitre 2, hein, tout ça. Jusqu'à la fin définitive du jeu. Ce sera fait en vidéo, mais le reste... Les autres donjons annexes, tout ça, les îles zéro, ce sera non. Recruter tous les Pokémon légendaires, c'est non aussi, parce qu'il y en a certains, c'est très aléatoire. Donc voilà les gens, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour l'épisode 24 de Pokémon Donjon Mystère, qui sera son l'avant-dernier de la fin de l'histoire 1, de la partie 1, on va dire.
Et donc d'ici là, portez-vous bien, c'était Arcanum, à bientôt.